Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la pile des cartes du mois de décembre. Comme d'habitude, avant de passer à la dernière pile des cartes de l'année, on va faire un petit point sur la pile des cartes du mois de novembre. J'avais sorti dès mon ensuite le tome 2 de l'école de minuit de Maëlle Desart pour un livre avec des vampires. Je suis en train de le lire. Il me reste pas grand-chose, juste la petite partie là-haut. Je pense que je le finirai aujourd'hui. Pour la case j'avais sorti le livre The Only Good Indians de Stephen Graham Jones. Je l'ai lu. J'étais ensuite tombée sur une case Take a Chance qui m'avait obligée à sortir The Stardust Thief, le premier tome de la série The Sand Sea de Chelsea Abdullah. Je ne l'ai pas lu et je ne pense pas que j'aurai le temps de le lire. Pour un livre écrit par un auteur ou une autrice française, j'avais sorti Ici et seulement ici de Christelle Dabos. Je l'ai lu. Et pour un livre qui me permettait de clôturer ou d'avancer dans un de mes challenges annuels, j'avais sorti Kingdom of the Cursed, le tome 2 de la série Kingdom of the Wicked de Karim Maniscalco, et je ne l'ai pas encore lu et je ne pense pas que j'aurai le temps de le lire. On est jeudi, vous verrez cette vidéo tout à l'heure d'ici un peu moins de 4 heures. J'ai pas réussi à lire toute ma pile des cartes du mois de novembre, mais j'ai lu beaucoup plus de livres que juste les 3 que je vous ai mentionnés tout à l'heure. J'ai énormément utilisé mes crédits audio sur Nextory et dérivés. Donc j'ai lu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en réalité en novembre, dont deux romans absolument énormissimes. Donc je pense que mes statistiques vont quand même être plutôt pas mal. Dommage que je n'ai pas réussi à lire les deux autres titres là en VO. C'est pas grave, ils vont retourner dans la pile à lire générale et puis ils ressortiront peut-être, probablement, j'espère, l'année prochaine. On est parti du coup avec la dernière pile des cartes de l'année, sachant que si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'en décembre, G a annoncé l'épisode Lightfall du Magical Read Aton. Je verrai si je réussis à caler certaines de ces lectures dans le Magical Read Aton, mais je vais pas forcément vous faire une pile à lire spécifique au Magical Read Aton. En revanche, au moment de mon wrap-up, je vous préciserai pour quels critères j'ai lu ces bouquins. La dernière fois, on s'était arrêté sur la case Challenge, donc on va repartir de cette case et on est parti avec le premier roll. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Welcome to Hell. Ça commence bien. Les cartes Welcome to Hell sont une sélection de critères de sélection qui en général ne me donnent pas la main sur le livre que je vais lire. Ce sont des critères qui me font choisir aléatoirement. Donc on va voir ce que nous réserve cette première case pour le mois de décembre. Feed Scroll. Ouh. Ok. Alors, pour mon feed scroll, je suis allée sur Instagram. Je vais aller dans Pour vous, pour ne voir que les comptes que je suis. Et en gros, le premier livre qui pop que j'ai dans ma pile à lire et que je n'ai pas lu, c'est celui-ci qu'on va lire. Ça peut prendre un peu de temps. Non, celui-là, je l'ai pas. Il y a un indice, t'es perdu. Oula. Il y a beaucoup de choses, là. Mais aucun que j'ai. Non. Non. C'est bien, comme ça, vous voyez tous les gens que je suis. Le journal de Gertie. Aide de Sabataya, je ne l'ai pas. Ce serait pas le tome 2 de Seven Faceless Saints. Ben voilà. Les 7500 visages. Celui-ci, je l'ai en version originale. Il était dans une Fairyloot, donc ce sera celui-ci. Ça commence bien, puisqu'on est tombé sur une case Feed Scroll. Enfin... Welcome to Hell, donc une carte pas très sympa qui m'oblige à piocher un critère de sélection qui ne me laisse pas toujours le choix, ce qui a été le cas cette fois-ci puisqu'on est tombé sur la carte Feed Scroll. Et donc comme vous l'avez vu, j'ai dû scroller sur Instagram jusqu'à trouver un titre de ma pile à lire que je n'avais pas encore lu évidemment puisque il fait partie de ma pile à lire. Et on est tombé sur Seven Faceless Saints de M.K. Lobb. J'ai la version originale dans l'édition Fairyloot. Je ne sais plus. Je ne sais pas si j'ai encore le petit truc. Non, j'ai pas gardé la carte. Donc je ne sais plus de quand date ce livre-là. Mais il n'est pas très long.
et je me souviens plus du tout de ce dont ça parle. Donc, je vais vous relire le résumé. Hop. Donc, j'ai mis ma petite carte Welcome to Hell. On avait une lettre de l'autrice avec un caractère art. Et à l'arrière, les end pages sont différentes. Voilà. C'est le premier tome d'une duologie qui a été traduite chez De Saxus. Donc si vous avez envie de découvrir ce roman mais que vous ne lisez pas en anglais, sachez que c'est possible de le découvrir en français. Et donc, j'adore le jaspage. Et du coup, comme dit, je vais vous relire le résumé. Donc c'est une redécouverte un petit peu pour moi aussi. Alors, un tueur brutal espionne Ombrazia, une ville dirigée par les disciples des sept saints sans visage. Une ville dans laquelle ceux qui possèdent la magie vivent dans le confort, pendant que le reste peine à survivre. Une ville prise dans une guerre qui dure depuis plus de 20 ans, et un champ de bataille sur lequel meurent des générations de soldats. Rose Lacertosa donnerait tout pour détruire ce système corrompu et obtenir justice pour son père qui a été assassiné par les militaires. Y compris s'infiltrer dans le palazzo pour devenir une espionne pour la rébellion pendant qu'elle s'entraîne en tant que disciple du Saint de la Patience. De son côté, Damian Venturi, c'est le plus jeune capitaine de toute l'histoire de la sécurité du Palazzo, et on attend de lui qu'il soit sans pitié et fort, et qu'il serve les saints avec une dévotion sans pareil, sans question, sans remise en question. Mais il est effrayé par ses expériences du front, et il peine à faire plaisir, rendre fier son père qui est brutal et très détaché. Et ce qu'il craint le plus, c'est de se retrouver face à Rose, donc l'héroïne, qu'il a laissée derrière lui quand il est parti à la guerre. Quand un disciple est assassiné, Rose et Damian doivent s'allier pour traquer le tueur, peu importe les conséquences. Ils vont devoir enterrer leurs émotions et l'amour qu'ils ont partagé il y a longtemps, pendant qu'ils mettent à jour la corruption et la conspiration qui apporteront les ténèbres et le chaos dans les rues de leur ville. Donc on est sur, vraisemblablement, alors c'est de la fantasy bien sûr, mais on est vraisemblablement sur un trope de second chance, romance. C'est pas un trope que j'apprécie en général, mais là, la raison pour laquelle ils se sont séparés n'est pas une raison qui me semble absolument insurmontable. Donc, pourquoi pas? Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est, en général, on est plutôt sur du enemies to lovers ou friends to lovers. Là, ça change un peu. Donc, ça peut être sympa et comme dit, il est assez court. Bon, c'est pas écrit très gros, donc il fait 370 pages à peu près? Avec les remerciements. Allez, 360 pages. Donc on va voir, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire, je pense que c'est un des plus vieux livres de la Fairyloot que j'ai encore. Et ouais, écoutez, on verra. En tout cas, j'adore cette couverture. Je sais pas si vous voyez, mais même sur les lettres en bas, on a cet effet marbre qui est vraiment très très beau. Voilà le numéro 2. 9 de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Most popular. On va donc retourner sur mon téléphone et cette fois-ci on va aller dans mes livres, les livres que je souhaite lire et on va les trier par nombre de notes, donc le livre qui a été le plus lu dans ma pile à lire et on va les classer du plus lu au moins lu. Oh putain, pardon pour le gros mot. Je vais donc commencer, j'en connais une qui va être contente, je vais donc commencer la série Le Prince Cruel au mois de décembre. Ensuite, on est tombé sur la case Most Popular et pas de surprise là encore, et de nouveau, je n'ai pas pu choisir. Je vais lire, du coup, je vais commencer la série Le Peuple de l'Air au mois de décembre avec le tome 1, Le Prince Cruel de Holly Black. Je sens que Mathilde trépigne derrière son écran. C'est sa série préférée de tous les temps.
Et voilà, j'ai très très hâte de la découvrir. J'ai un peu peur parce que du coup, elle est tellement appréciée, cette série, pas uniquement par des gens que je connais, mais vraiment de manière générale. Je ne sais pas, on va voir. J'ai quand même hâte. Mais bon, ça me fait commencer une autre série en décembre. C'était pas le but de la manœuvre. Alors, les marges sont énormes. Je trouve que c'est écrit assez aéré. Alors, le résumé. Aiguise ta lame et endurcis ton cœur. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les Faé, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à Terra Faé est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix. Le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. C'est l'édition collector de chez Rajo. Et je les ai tous, mais vous les verrez pas, ils sont juste au-dessus là. Je les ai quasiment tous, à part le tout dernier. Ah si, je l'ai acheté en fait. Je pensais que je l'avais pas, mais en fait si, je l'ai acheté. Donc, voilà, j'ai hâte. C'est des faé, on est sur de la fantasy. Va y avoir à un moment donné de la romance, même si je crois que c'est un slow burn. Donc je suis pas sûre qu'il se passe quoi que ce soit dans le tome 1. J'ai hâte. J'ai quand même super hâte. Depuis le temps. Et en plus, je crois qu'ils sont disponibles en français sur Nextory en audio. Donc je devrais réussir à les lire assez vite. Point numéro 3. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est passé près. Le Lalé. Pour un titre qui commence par le la ou les, j'ai décidé d'essayer de finir un maximum de séries cette année avant la fin de l'année, ou en tout cas d'essayer de compléter un petit peu mes challenges. Et du coup, j'ai lu deux titres de cette série au mois de novembre. Donc, j'ai mis le tome 7, sachant que c'est une série qui en comporte 10, mais ils sont presque tous disponibles en audio sur Nextory, donc ça peut aller très 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 vite. J'ai sorti Les Détectives du Yorkshire, le tome 7, Rendez-vous avec la menace de Julia Chapman. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Delilah, qui vit à Burncliffe, c'est une petite ville d'Angleterre, très paysagère, n'importe quoi, paysanne. Qui vit surtout de l'élevage, principalement des moutons d'ailleurs, je crois. Et elle a divorcé il y a quelque temps. Elle tient une agence de rencontres, l'agence de rencontres des Vallons. Et à côté de ça, elle a aussi une entreprise de création de sites internet. Il y a 14 ans, je crois quasiment, Samson, Delilah. Samson était le meilleur ami de son frère, du frère de Delilah, et il est parti du jour au lendemain, après s'être engueulé avec son père, au moment où le frère de Delilah est parti faire la guerre. Il s'est engagé à l'armée et il est parti faire la guerre. Je sais plus si c'est en Afghanistan qu'il est parti ou quelque chose comme ça. Et quelques années après, son frère est décédé, donc le soldat qui était en Afghanistan est décédé, et Samson était le parrain de son fils, et il n'est pas revenu pour le baptême, ou alors c'est au moment du baptême qu'il est parti. Il a assisté au baptême et ensuite oui, je crois que c'est ça. Il a assisté au baptême et ensuite il s'est pris la tête avec son père, qui, suite au décès de sa femme, est devenu alcoolique. Et donc il est parti. Et on l'a pas revu pendant 14 ans. Il est devenu policier à Londres, dans, je vais pas dire la brigade des stupes, mais quelque chose comme ça. En tout cas, il travaille beaucoup sous couverture. Et il y a eu un problème avec son travail, et du coup il revient à Burncliffe 14 ans plus tard. Donc, Burncliffe, c'est un tout petit village, tout le monde se connaît. Et alors, j'avais pas réalisé sur le coup, mais je vous en parlerai un peu plus précisément dans mon wrap-up. À chaque fois, on a une nouvelle enquête, et on a du coup Samson et Delilah qui se rapprochent au fur et à mesure. Et j'adore, j'adore cette ambiance, j'adore les personnages. C'est toujours bourré d'humour, mais en même temps, les enquêtes qui sont résolues dans ces romans sont parfois assez dures. Il y a quand même des choses graves, dramatiques qui se déroulent. Et on a, à côté de ça, à côté de chaque enquête résolue dans chaque tome, on a un fil rouge avec une histoire de corruption. Et pareil, des drames qui se déroulent aussi sur ce sujet-là.
Donc, je passe un super moment à chaque fois. J'aime énormément la narratrice de la version audio. Donc, je me ferai un plaisir de lire le tome 7 en décembre. Et si j'arrive, de lire également les tomes 8, 9 et 10. Ça me permettrait de clôturer la série d'ici la fin de l'année. Rôle numéro 4. 5. 1, 2, 3, 4. 5. Foil. Pour un livre avec du foil sur la couverture, j'ai sorti Un Noël à Bleak Hill Castle de Laetitia Arnoux aux éditions Twinkle. Il est magnifique, il y a du foil, on est sur une histoire de Noël. Ça se passe dans le Hertfordshire en décembre 1843. Alva Moonfield s'apprête à passer les 12 jours de Noël dans le château de Saul Fallow, un jeune lord renfermé à la réputation douteuse que l'on dit adepte des sciences occultes. Malgré la rumeur et les mises en garde, Alva est bien décidée à profiter de ce séjour chez lui pour le convaincre de soutenir et financer son projet de réhabilitation des quartiers pauvres de Londres. Elle ignore toutefois que c'est son propre destin qu'elle risque de changer au cours d'un Noël envoûtant à Bleak Hill Castle. Donc c'est un conte romantique, historique. J'ai trop hâte. J'ai lu autre chose de Laetitia Arnoux, je ne sais pas si j'ai la liste quelque part. Non, en tout cas pas là. Ah, peut-être là par contre. Alors je les ai tous, hein, les livres. C'est celui-là que j'ai lu, Là où réside l'hiver. Et j'avais vraiment adoré avec Jack Frost. C'était incroyable. Donc j'ai très 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 hâte de lire celui-ci. Et... trop beau. Trop trop beau. Ils sont là. Je sais pas si vous allez les voir. Ouais, là. Tous les livres des éditions Twinkle. J'ai très très hâte. Et puis, je pense que c'est le meilleur moment pour lire une histoire de Noël. Et rôle numéro 5, le dernier. 9, décidément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 Star Prediction. Et pour un 5 Stars Prediction, j'ai sorti le dernier tome d'une série. Comme dire, j'essaye de compléter au fur et à mesure mes séries avant la fin de l'année, ou en tout cas avancer au maximum. Il se trouve que les 3 tomes précédents dans cette série, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais je suis presque sûre que les 3 tomes précédents dans cette série ont été pas forcément des coups de cœur, mais en tout cas des 5 étoiles. Donc j'ai trop hâte de lire celui-ci, même si le couple qui est concerné m'intéresse un peu moins que pour les 3 tomes précédents. Mais je ne doute pas que je vais quand même adorer. J'ai sorti Twisted Lies, le tome 4 de la série Twisted de Anna Wong. Pareil, il a été traduit en français, donc si ça vous intéresse, vous devriez pouvoir le trouver facilement. Là, c'est l'édition Fairy Loot. Voilà, donc j'ai très très hâte de le lire. Dans le tome 1, c'est des romances contemporaines avec à chaque fois un petit twist, je vais pas dire de suspense, mais il y a quand même un côté un petit peu sombre dans chacune des 4 histoires. Dans le tome 1, le trope c'est Best Friend's Daughter, donc le personnage principal féminin va sortir avec le meilleur ami de son frère. Dans le tome 2, c'est Princess Bodyguard, donc une princesse avec son garde du corps. Dans le tome 3, on est sur un Rivals, Two Lovers. Oui, c'est ça. Et puis dans le tome 4, on est sur du Fake Dating. Donc avec les héroïnes, qui se connaissent, qui sont un groupe de 4 amies très proches les unes des autres. Ce qui m'inquiète un petit peu dans celui-ci, c'est que dans les 3 volumes précédents, je pense que c'est d'elle, qu'on a le moins parlé. C'est le personnage qui a jusqu'à présent été le moins creusé. Et puis, elle est influenceuse sur les réseaux sociaux et c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie lire. Donc, on verra. Tout ce que je sais, c'est qu'elle va emménager dans un appartement avec une des 3 autres. Et que cet appartement, c'est lui qui est le propriétaire. Et je crois qu'elle va se retrouver avec un stalker. Un de ses followers qui la harcèle, et du coup ils vont se mettre ensemble pour que lui puisse la protéger, elle, sachant que lui il est aussi lié au personnage masculin des tomes précédents d'une manière ou d'une autre. Je me demande si c'est pas un des amis du bodyguard dans le tome 2. Voilà, mais je suis plus très sûre, mais voilà, faudra que je revoie
Je reprendrai peut-être un récap pour voir comment tout le monde est lié les uns aux autres, mais en tout cas, j'ai très 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 hâte de le lire. Et c'est une romance du coup spicy. On est vraiment sur une littérature. Je vais pas dire érotique, parce que pour moi, un roman érotique, c'est centré que sur le côté fesses. Là, c'est pas le cas, mais par contre, les scènes de fesses sont explicites. Donc, on est vraiment sur une romance adulte. Et en plus, je trouve qu'elles sont très très bien écrites. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai pas été déçue. Donc, j'ai hâte de clôturer cette série. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez prévu de lire au mois de décembre. Est-ce que vous privilégiez les lectures de Noël, que ce soit des contes, du polar ou la romance. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !